lors de la mise en place du prélèvement à la source. Est-ce qu'on peut changer le taux d'imposition en cours d'année? Et si oui, comment il faut faire? Oui. Il faut savoir qu'avec les prélèvements à la source, on peut changer à tout moment son taux de prélèvement. Mais il y a des conditions, bien entendu. Effectivement, en cas de changement de la situation familiale, dans votre cas, la naissance d'un bébé, peut-être les mariages, la conclusion d'un pacte, les divorces, la rupture d'un pacte. Dans tous ces cas-là, la loi a prévu que vous pouvez demander un changement du taux. Bien entendu, va être inférieur au taux que vous avez actuellement. Ces déclarations que vous devez faire à l'administration, vous avez un délai de 60 jours et l'administration se donne un délai de 3 mois pour pouvoir modifier votre taux. Mais il sera modifié au cours de l'année. Il y a autre possibilité de modifier votre taux de prélèvement. Imaginez qu'au cours de l'année, vous avez une promotion très importante au niveau des salaires. Et vous allez payer un peu plus d'impôts. Dans ces cas-là, vous pouvez demander une modification de votre taux pour tenir en compte cette augmentation des salaires. Il y aura une modification d'un taux supérieur. Mais je ne vous le souhaite pas. Mais si dans les cas, au cours de l'année, il y a un licenciement et donc vous rentrez en chômage, il y a une perte de salaire assez importante. Dans ces cas aussi, la loi a prévu que vous pouvez modifier votre taux. Mais il y a deux conditions. Il faut que la diminution du taux de prélèvement soit égale à 10% au moins de celui qui a prévu l'administration fiscale ou une diminution de 200 euros par rapport à ce que vous payez.